Alors là, il y a l'orange. Le monstre est pas loin. Oh, il arrive sur la droite. Mais attendez, ses pas étaient juste à gauche. Et d'un coup, il s'est retrouvé à droite. À mon avis, celui-là est plus rapide que les précédents. Hein. Je sais pas s'il a un pouvoir spécifique. Oh, je suis caché. Je suis caché. Et salut tout le monde, c'est Redkill, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Color or Die. Et j'ai une super nouvelle pour vous les amis, regardez ce qu'il y a là-bas au fond. Ils ont tout juste sorti le chapitre 3, ils ont été super rapides entre le 2 et le 3. Disons qu'ils sont plus rapides que Rainbow Friends, hein. Bah écoutez, c'est parti pour découvrir le chapitre 3 de ce jeu que vous avez tant adoré sur la chaîne récemment. Et en parlant de Rainbow Friends aussi, vous savez qu'il y a le chapitre 2 qui est sorti sur ma chaîne aussi. Je l'ai également tout juste mis et nous... Aujourd'hui, on va se concentrer sur Color or Die à la place. Alors hop, on y va, chapitre 3, c'est parti. Alors ça commence vraisemblablement comme les deux chapitres précédents et on a maintenant 16 pinceaux à trouver. Mais c'était 13 d'habitude. Je crois que c'était 13. En tout cas, on va se concentrer maintenant. Alors comment ça se passe? Sûrement un nouveau monstre, sûrement de nouvelles choses à découvrir. Alors, en tout cas, on est rouge comme d'habitude, tant mieux, la meilleure couleur du monde. Est-ce qu'il va falloir allumer la chaudière ou quoi là? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Attendez, ça va jusqu'où ça? Salut, qu'est-ce qu'elle a elle? C'est quoi? What? Elle a un grappin? Non mais attendez, vraiment on va partir en mode Tarzan ou quoi là? Ok, il est où le monstre? Il n'y en a pas pour l'instant. Est-ce qu'il faut réactiver tous ces petits trucs? Alors attends, on va commencer à les activer. Celui-là était déjà activé. Ça veut dire qu'en fait... What? Oh, il y a un truc qu'il n'y avait pas sur les deux niveaux précédents. Alors ici, il va falloir donc une scie, la clé grise. Parfait. Et alors, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? D'accord, le grappin! Ah, qui lui dit qu'il faut aller là, celle qui vient de passer? Je crois qu'elle s'est trompée de côté. Ah, bah, c'est bon, elle a compris. Allez, go! On va passer là, même si je pense que c'est pas intéressant de passer de ce côté-là. C'est pas là qu'on va trouver une clé. C'est juste histoire de pouvoir revenir directement là-bas, commencer à comprendre la map. Et pour l'instant, j'ai absolument rien trouvé. Hein. Même pas un pinceau, même pas un monstre, rien. Oh! What? Ah, vite! C'est du rouge, ça, ou c'est du orange? J'imagine que c'est du rouge. Oh, c'est bon, c'est bon. On va bien. Yep, parti. C'est ce nouveau monstre. Oh, tat, 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 tat. Il a une lanterne. À quoi elle lui sert, la lanterne? Enfin, la petite ampoule qu'il a devant, là. Oh, c'est le monstre lanterne. C'est ça, c'est comme ça qu'on appelle la pinceau. Ok. Je prends vite. Hop, c'est bon, c'est ramassé. Alors, ici, on va avoir le vert. Ok, on va essayer, on va commencer à essayer de retenir. Donc là, il y a le spawn, je pense. C'est là où on a commencé. Attendez, c'est ce côté-là. Non, c'est ici qu'on a commencé. C'est... Oula, je suis perdu déjà. Oui, c'était juste derrière ça, hein, je crois. C'est bon, c'est là. Ok, le spawn est juste là. Donc, on a le vert, la porte verte qui est sur la gauche vers le spawn. Ok, un petit pinceau, ça, on prend. On va aller de ce côté-là. Et en tout cas, ça serait bien de trouver une petite clé quand même pour commencer. Passage secret. Ah, qui va permettre d'avoir des pets. Ok, il faudra venir avec la scie ici. Mais on n'est pas obligé de le faire, hein, ça, vous le savez. Ok, il y a la clé rouge. Parfait. Hop là. On y est. La porte rouge est ouverte. Maintenant, on est orange déjà. Trop bien. Alors là, on va pouvoir aller dans le bleu après pour avoir un pinceau et le jaune, je crois. Faut retenir, hein. Faut retenir. Le bleu est là. On retient le vert et le bleu vers le spawn. Vers le spawn à gauche. Je retiens. Ça va être important pour la suite. Alors, je te suis, mec. Ah, un pinceau. Merci. J'ai bien fait de te suivre. Alors là, il y a l'orange. Le monstre est pas loin. Oh, il arrive sur la droite. Mais attendez, c'est pas été juste à gauche. Et d'un coup, il s'est retrouvé à droite. À mon avis, celui-là est plus rapide que les précédents. Hein. Mais pour l'instant, je comprends pas son pouvoir. Hein. Je sais pas s'il a un pouvoir spécifique. Oh, je suis caché! Je suis caché! J'ai douté, hein, pendant deux secondes, j'ai cru que c'était jeune, hein! Non, parce qu'en fait, il te voit comme hein! Il vient sur toi, il vient de tester, hein! Ah, oh, tant que t'es de la bonne couleur, ça va. On prend s'il y a un truc qui doit être ouvert, hein, avec tout ça, hein. Je sais pas. Oh, ok, le rose est là. Je crois qu'il arrive. Là, j'ai déjà été, mais je suis obligé d'y retourner parce qu'il m'attend, machin, il n'y a pas d'orange. Ok, allez, on va passer par là. Ok, on est à l'abri là. Est-ce qu'il est là? Il est juste là, hein, juste derrière. C'est bon, ça. C'est bon? C'est bon, tout va bien. Allez, on continue. Il faut trouver la porte. Oh, tat. Il faut surtout essayer de survivre. Oh, c'est bon, il m'a lâché. Ouais, c'est bon, il est parti sur quelqu'un d'autre. Parfait. Un pinceau. Ok. Go. C'est un pinceau. 4 sur 16, pas mal. J'imagine que la sortie est au fond, toujours au fond, au milieu. Normalement. Oh. Il va nous falloir un pistolet laser comme ça. Yes. La porte orange, quelle chance. Alors, il y a quoi d'autre ici? Là, il y a la fin, je pense. Hein. Il doit y avoir la fin juste là. Là, c'est quoi ça? Un pinceau, ok. On prend et après, on va aller ouvrir la porte orange. J'aimerais juste vérifier. Voilà, la fin est bien là. Hein. C'est pareil que les deux précédents chapitres. Ok, je l'entends, mais il est loin, ça va. C'est bon! On a vidé l'orange. On a maintenant accès au jeune. Ah, je me suis trompé tout à l'heure. Je croyais que c'était le jeune qu'on voyait, mais en fait, pas du tout. Alors, attendez, parce que là, il y a un passage qui va nous permettre... Ah, il nous faut le grappin pour aller là, d'accord. Bon, en tout cas, on est jeune. Alors, ça tombe bien parce que j'ai vu pas mal de jeunes sur la route. Comme par hasard, il n'y en a plus. Il n'y a plus de jeune. Là, il y a du jeune. Alors, est-ce qu'on a déjà été dans ce passage? What?
Il y a des flammes. On va devoir éteindre l'incendie, les amis. Attendez. J'ai cru que ça allait me tuer, mais non. Ok, alors là, on est là. Donc, la porte jaune. On l'a pas vue, celle-là, encore. Hein. On a vu la bleue, la verte. Yes! Ok. Je crois qu'il est sur la droite. Faut faire attention. On est quasi à la moitié. Il nous en manque plus qu'un seul pinceau. Et on pourra continuer. Alors, on va aller au fond à gauche, là-bas. Je pense que la porte jaune devrait s'y trouver parce qu'on a fait tout le tour à peu près à droite par rapport au spawn toujours, hein, je dis. Donc voilà, c'est bien ça. Voilà, c'est ça. Le jaune est là. J'aimerais juste vérifier. Ok, là, il y a le violet. Et là, on va pouvoir monter. Alors, je pense pas que ce soit utile de monter tout de suite. Il y a sûrement un pinceau et un autre truc. Mais on verra ça tout à l'heure. Allez, go, 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 go. C'est bon. Alors, oh yes, on va avoir accès à un hobby. Et là, d'accord, c'est l'extincteur. Très bien. Go. Ah oui, toujours ces hobbies très spéciaux. Hein. Yup, yup, yup. Oh. Ok, on peut aller à droite. Ah, d'accord. À chaque fois sur les hobbies, il y a la couleur cyan, la couleur bleu clair comme ça, là. Ouais, c'est la scie. J'ai le premier outil de la partie. Ah, c'est vraiment le premier. Hein. Alors, attendez. Oh, il y a un pinceau, là. Je suis obligé d'aller chercher. Yep. Pourtant, je l'entends. Je l'entends. Hop, c'est bon, c'est fait. Alors, je vais prendre le... C'est quoi ce bruit? Lui, il a l'extincteur. Il est bien avancé. Elle, elle a le grappin. Ok. Allez, on va aller de ce côté. Pour l'instant, on n'est pas trop embêté par le monstre, hein. Je sais pas trop ce qu'il fait, mais il est occupé là-bas. Alors, j'ai envie d'aller voir vite fait dans le passage secret qu'on a trouvé, histoire d'aller ouvrir avec la scie éventuellement. Non, c'était pas là. Ah non, c'était derrière, je crois. Oh, faut refaire le tour, alors. Hop, faut passer par là. Tac. Ah non, là, c'était le pinceau. C'est la suivante. C'est par là. Eh ben non, pas du tout. Donc, c'était plutôt de ce côté-là. Ah, c'était là. Ok. Ah, mais ça, c'était le grappin, non? Oui, ça, c'était le grappin. La scie, c'était où déjà? Oh, bah, je sais plus, hein. Ah, d'accord. Le pont, là, il est complètement baissé. Hein? On peut y aller quand même, je crois. Hein. Je suis pas sûr. Hein. En tout cas, moi, j'ai pas besoin d'y aller, donc j'y vais pas. Il faudra y aller quand on aura le grappin. Là, on a déjà été ou pas? Non, on n'a pas été. Yes, 9 sur 16. On enchaîne très, très bien les pinceaux. Et les couleurs aussi, franchement, ça va, ça se passe bien. J'aimerais juste retrouver l'endroit de la scie. Ah, là, c'est le pistolet. Et là, c'est le spawn. Mince, j'ai perdu le premier passage secret qu'on avait vu avec la scie, là. Ah, c'était là. Voilà, c'était sur la gauche par rapport au spawn. Hein. Donc, c'est bon. On l'a. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir un pet, j'imagine. Pas là. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a peut-être pas de pet là pour l'instant. Non, il y en a pas. Ok, bon, c'est pas grave, j'ai ma scie, je suis content. On repart. En tout cas, c'était très très beau. Une magnifique petite maison en bois. Par contre, il est là, machin. Il est là! Oh, attention à toi, mec! Oh, viens, vite, vite, dépêche-toi! Ah non, ouais, c'est bon, c'est rouge pour lui. Parfait. Moi, j'ai pas de couleur. Hein. Yep, c'est bon, il est passé. Waouh! Bon, allez! Il faut aller ouvrir donc, du coup, là où on a besoin de la scie. Alors, c'était sur la droite, il me semble. Là-bas, on va aller voir. Attention, le monstre est là. Attention, il est là. J'ai pas de couleur, laisse-moi tranquille! Non! La première mort! Je peux pas mourir! Là, il y a un passage normalement. C'est bon. Ouh, c'était juste quand même. C'est quoi son pouvoir secret? Je ne sais pas. Quel est son pouvoir? Aïe, aïe. J'ai un problème! Il me lâche pas. Quelqu'un veut pas faire diversion. S'il vous plaît, toi. C'est bon. Youf. Ah, ouais, il m'a suivi hyper longtemps. C'est bon, c'est bon. Go. Bon, j'ai été obligé d'aller au spawn parce que il m'en veut, hein. Ça y est. Oh, il m'en veut trop. Laisse-moi tranquille. Surtout que j'ai envie d'aller en face, là. Je crois qu'il y a un endroit où j'ai pas été. C'est bon, je peux y aller. Il me semble que, à mon avis, là, c'est un pinceau. Ah, si, j'avais déjà été. Non! Vite, il y a un passage secret là! Il est là, le passage! Non, il est pas là! Oh là 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 là! Je vais mourir! Ah non! Laisse-moi tranquille! Oh non, je suis plus comme un rat! Wow, ça va, il me reste 2 coeurs, hein. Tout va bien. Alors, ouais, en réapparaissant, ils m'ont mis en jaune. Heureusement, ils m'ont mis une couleur. J'ai gardé ma scie, tout va bien. Hop, alors. On va aller. C'était où la scie? C'était. Je suis perdu, c'était où? Par contre, on est à l'abri là ou pas? Mais c'est bon. Tranquille. Bon, faut que je passe par le pont, mais pour l'instant, il n'est pas activé, donc il faut aller réactiver tous les boutons. Pour l'instant, j'en ai vu 3 ou 4, ils étaient tous allumés. Là, c'est le hobby. Alors attendez, en attendant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais monter au cas où on ait un truc à prendre là-haut. Hop, comme ça, c'est fait tant qu'on y est. Alors, peut-être que c'est qu'un passage. Il faudra peut-être une planche ou un truc comme ça. Alors. À gauche, on peut aller à plusieurs endroits. Ok. Petit pinceau à gauche, ça c'est parfait. Et à droite, soit c'est pour ressortir, ou soit c'est pour aller attraper un outil, ou mettre une planche, ou un truc comme ça. Ok, non, c'est juste pour sortir en raccourci. Allez, go. Bon, j'espère qu'ils ont activé les boutons. Par contre, il est juste là, machin. Il est où? Je sais pas, j'y vais. Ah, c'est bon. Le pont est réactivé. Ok. Go. C'est bon. On va pouvoir s'occuper de ces barreaux. Hop, go.
Là-bas. Prison Break. Haha. Yes. Ah d'accord, c'est juste pour une couleur. Le vert. Alors le vert, c'est tout simple. Il faut retourner vers le spawn. Yep. C'était quoi ce bruit? C'était quoi ce bruit? En tout cas, vous avez vu ma petite traînée verte juste derrière là? Elle est très stylée. En plus, ça va parfaitement avec la couleur que j'ai. Alors le vert et le bleu, c'est vers le spawn sur la gauche. Donc normalement, le vert va pas être loin. C'était quoi ça là-bas? C'est du vert, mais c'est pas la porte. Yep. Normalement, elle est vers là. Normalement, elle est vers là. Prochain. Ah là, c'était la bleue et la verte est juste derrière. Elle est là. Elle est là. Je sais qu'elle est là. Je sais qu'elle est là. La verte. La verte. Hein? Oui, c'est ça. Allez, go! Yep, yep, yep. J'ai bien un pinceau. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et l'extincteur! Ah, oh, mais en plus, c'est nickel parce que, regardez, le feu, il est juste là. Oula. Voilà. Oula, j'ai pas de couleur. J'ai pas de couleur. C'est bon. Oh, elle est là, elle est là, minute. C'est bon, je suis à l'abri. Ok, on va faire le tour tranquillement, hop, et on va aller directement éteindre le feu qui est de ce côté-là. Normalement, là on est à droite du spawn. J'ai pas de couleur, attention, j'ai pas de couleur, j'ai pas de couleur. Hop là. Alors normalement c'est sur la droite là, il est là, oui c'est ça. Go. Yop là, c'est activé. Alors, oh, c'est le cyan. Il faut donc directement aller, dans le hobby là-bas. Alors le hobby il était tout à gauche. En tout cas ça m'étonne qu'il n'y ait qu'un seul monstre hein. Parce que pour le chapitre 2 il y a... Oh, il me faut du cyan. Hop là. C'est bon. Viens, on est bien. Viens, rejoins-moi. Ah ouais, lui il est avec moi, il est au même niveau que moi lui. Bon c'est bon. Eh bien ça va. Oui du coup il y avait... Oh, il s'est, je croyais qu'elle était partie. Oh, t'as un passage secret, quelque chose. Vite, 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 lobby. C'est bon, je peux me suivre. Yop là. Piouf, les amis. C'était chaud encore une fois. Hein. Yep. Yeah. Ok, pas mal. Tac, tac. Hop. Les nénuphars. C'est gagné. Yep. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, le grappin. Oh, trop bien. Le grappin et qu'est-ce qu'on a eu comme couleur là? Yep. Yep. Par là. Non, on n'a pas eu une couleur, on a eu un pinceau. On a pas eu de couleur, mais on est d'accord. On a eu le 12e pinceau. Et le grappin, du coup, qui va permettre... faites quoi, vous? Yep, on y va. Le grappin qui va permettre de monter au niveau du... attendez, c'était où? Je réfléchis. Oh, je réfléchis pas, j'ai pas le temps. Yep, là. Tu cours. Réfléchis pas, tu cours. Oh, il peut pas venir, on est d'accord, il peut pas venir, il est trop grand. Il faut trouver l'endroit où est-ce qu'on grimpe. Ah, c'est sur la droite, ok. Bon, ça va. Si je fais le tour par là... Ah non, on peut pas y aller, là. C'est un cul-de-sac. Tu peux pas venir là, tu peux pas monter des marches, je sais pas faire. Oui, on peut pas passer par là, c'est dommage. Ça aurait été un raccourci là, parce que machin il me bloque. Il me campe. Eh bah attends là. On peut pas lui lancer un coup de grappin là? Hein? On dirait qu'il devient invisible des fois. Ah, je sais pas, peut-être qu'il éteint la lumière et il devient invisible hein. C'est possible hein. Bon bref, nous on va aller mettre un coup de grappin. C'était juste là je crois. Là c'était le pistolet, il faut le retenir, on va en avoir besoin bientôt. C'était juste là, c'est là ça. Hop, non c'était pas là, c'était le prochain à droite. Ok. Ah ouais, lui il sort de quoi déjà? C'est... Ah non, c'est là le grappin pour aller dans le passage secret. Ok, bon, tant qu'à faire, on va le prendre. Comme ça, on le récupère et on a accès au passage secret. Magnifique! La vente de poissons, apparemment. Ah, mais c'est plus que ça, regardez. Croquette pour chien, croquette pour chat, tout va bien. On y va, on y retourne. Au combat! Donc, alors, le grappin, je réfléchis. Mais c'était au pont, hein. C'était au pont, je crois. Sur la droite du pont. Ah, il est encore activé, parfait. Pip. Hop là. Oui, c'est ça. Allez, go. On y va. Et... on active. Le grappin. Parfait. Il est activé. Oh, c'est bon, il a bien tenu. Ah. Alors, le bleu. Ok, le bleu, on sait où il est. Il est au niveau du spawn sur la droite. Sur la gauche. Sur la gauche. Sur le centre. La clé grise aussi, hein. Faut retenir ça. Faut te tirer au trou. Ils sont vraiment obligés de mettre une planche cassée, quoi. C'est grave. Ils veulent absolument qu'on meure. Oula, attention, il arrive. Hop là. Alors le bleu, il était vraiment... C'est le plus proche du spawn. Hein. Donc c'est-à-dire que... Il est juste là, je crois. Attendez. Hop. Là, il y a beaucoup de bleu, en tout cas. Il y a beaucoup de... Non, c'est pas là. Oh, mince. Attendez. On va aller là. Voilà, c'est de ce côté. Hop. Ok. Là. Quelque part ici. Non, j'ai oublié. Non, c'est bon, je me souviens. Il faut aller voilà, dans un passage secret comme ça. Tac, tu passes là, t'arrives là, et normalement, il est là. Voilà. Go. C'est bon. D'accord. Là, c'est violet. Oh, violet, c'est sur la fin. Violet, c'est à la fin à gauche. Bon, ça va, on est safe. Normalement, si le monstre est encore à droite, là-bas, ça ou pas? Ouais, c'est bon, on est tranquille. Ok. Donc là, on a juste à aller... Oh, oh, j'aime pas ce bruit. C'est pas normal, il se passe quelque chose. Et là, normalement, le violet est là. Hop, c'est bon. Oh, on enchaîne. Allez, donnez-moi un pinceau, là. Donnez-moi un pinceau.
Il y a un passage pour aller avec la clé grise, d'accord? Sauf qu'on a besoin de faire le hobby. Oh, c'est magnifique, on est sur des petits bateaux comme ça, il y a des vagues au sol. Oh, c'est trop bien fait. Yep. Oh. C'est bon, ça passe. On y est, on a le blaster gun. Oh, on peut... Ah non, 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 d'accord, ok. Il y a marqué qu'on ne peut pas tirer sur le monstre, dommage, parce que franchement, il est très classe. Hein. On dirait vraiment un pistolet comme dans Toy Story. Alors, en parlant de Toy Story, où est-ce qu'il est le grand jouet là-bas? Je sais pas. Hein. Bon, en tout cas, je sais où est la cible, à force de passer devant, je sais où elle est. Elle est juste à gauche, là. Voilà, on active. Et on a donc le 14e pinceau et la couleur rose. Alors, le rose, où est-ce que c'était? Le rose. En tout cas, est-ce qu'il y a des murs roses ici que je puisse me cacher? Non. J'ai complètement oublié le rose. Je m'en souviens pas. Alors attendez, on va se cacher. Y'a pas besoin. Pourquoi se cacher? Le rose. Je réfléchis. Je sais pas. Les amis, je suis en train de me demander si on a déjà vu le rose. Je crois pas, hein. C'est pour ça que j'arrive pas à le trouver. En fait, je l'ai jamais vu. Ou alors, c'était peut-être sur la gauche au spawn. Pas réalité, mais non, il y avait juste un pinceau. Oh! Non, j'ai perdu! Je sais pas où il est! Hop là! C'était juste là! Donc en fait, c'est le spawn est là-bas, donc c'est sur la gauche du spawn. Ah oui, c'était bien caché quand même, mais on était déjà passé devant, hein, je m'en souviens. Donc go! On y va! On a donc la clé qui n'est pas du tout grise, mais qui sert sûrement à la même chose. En tout cas, je la préfère en or comme ça. Attendez, on va plutôt aller de là, de ce côté, parce qu'il y a un machin qui nous attend. Il est là ou pas? J'ai plus de couleur, hein. Je me laisse tranquille. J'ai plus de couleur. C'est pas du jeu! Le jeu, comment il s'appelle? Il s'appelle Color or Die. Bah, j'ai pas de couleur. Bah, du coup, je meurs. Ah ouais, mais du coup, c'est du jeu. Ah, on trace! Go, 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 go! Alors, le pont, est-ce qu'il est activé? J'espère qu'ils l'ont activé, les autres joueurs. Oui, ils l'ont activé! On peut y aller. Parfait. Et attention! C'est bon. Alors, comment ça se passe ici? Tac! Est-ce qu'on a le 16e pinceau? Oui! Ok! On n'a plus qu'à aller à la dernière étape. Yep! La porte finale. La porte finale qui s'est ouverte, hein, automatiquement. À chaque fois qu'on a assez de pinceaux, elle s'ouvre. Bon bah ciao le monstre, hein. Merci pour ce chapitre 3, hein. On se revoit peut-être au chapitre 4. Il a pas été très fort ce monstre, j'étais en train de dire. Je regrette ce que j'ai dit. Non, je rigole. C'est un petit noob. Alors petit noob, tu peux pas venir ici, hein. Ah, go. Alors. Waouh. Je suis dans un aquarium. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Alors, comment ça se passe? Ah là-bas, il y a un pinceau. C'est le pinceau blanc qui va nous permettre d'ouvrir donc la porte finale. Ah, c'est très joli. Hein. Oh, regardez le poisson qu'on arrive à voir. Que dans ce sens, un peu dans ce sens. Et après, si tu te mets là, tu vois plus le poisson. Oh. Ah non, c'est pas un poisson. Ah, si on... What? C'est une arête! Mais non! C'est un truc de dingue! De ce côté-là, on voit vraiment comme un poisson? Mais c'est magnifique ce qu'ils font. C'est magnifique. Et là, de ce côté-là, c'est une arête. Oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a d'autres trucs comme ça, là? Là, c'est pareil, il y a un poisson qu'on voit en arête. Clairement, c'est une arête. Et si tu te mets là, oh, c'est un... Attendez, faut... Ouais, à peu près comme ça, là. C'est Nemo. C'est trop fou. Ils sont trop forts. Allez, je passe de ce côté, moi. Ah, ça a marché. Allez, go, maintenant, on a la couleur blanche. Il faut faire du tout droit. Je peux plus m'arrêter. Hop là, on va quand même esquiver. Je peux plus m'arrêter. Le monstre... Je peux m'arrêter, lui, par contre. Non, il est pas là. Bye bye, le monstre. À la prochaine. Allez, go. Là, ouais, ça revient au même. Là, c'est le gros bloc du spawn. Et on n'a plus qu'à aller confirmer ça, ouvrir et terminer ce chapitre 3, les amis, qui était juste trop stylé, même si ça aurait été bien un deuxième petit monstre. Allez, go, ouvrir ça. Bam. Alors, maintenant, il va falloir choisir la porte. Moi, j'avais déjà pris la deuxième, je crois, la deuxième. On va prendre la première. Hop, c'est parti. Alors, oh, mais j'avais déjà fait ça, je crois. J'avais déjà fait, les amis. C'est le truc que j'avais fait. Je sais plus. En tout cas, ça a explosé. Attention. Tada. Oh. Ah non, j'avais pas fait ça. Oh, j'avais pas fait ça. Yep, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est des vagues. Non. Waouh. C'est très joli, en tout cas. Je peux aller surfer dessus. C'est pas des vagues. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ah, d'accord. En tout cas, les amis, c'est la victoire. Mettez un gros pouce bleu pour ce chapitre 3. Vivement le chapitre 4. Abonnez-vous à ma chaîne pour voir le chapitre 4 qui sortira d'ici peu, je pense, parce qu'ils sont très rapides. Ciao tout le monde, bye bye bye.